Attention. C'est une surprise ? Oui, tu vas voir. Je vais te faire découvrir une pièce que tu n'as jamais vue depuis qu'on habite ici. Oh. Tu vas voir, c'est hyper cool. Donc, tu vas pouvoir passer des bons moments ici. T'es prêt ? C'est parti. Ah oui ! C'est beau, hein ? C'est quoi ? Ça s'appelle la cuisine. Ah, tu sais, c'est là où on range les courses. Non, attention, là c'est chaud. D'accord. Tu vois, quand il y a la petite lumière, on ne touche pas. Ah, ok. C'est un lieu. Ça, non, c'est quoi, ça c'est le four aussi. Il faut faire attention. Ok. Voilà. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est très intéressant que tu me poses la question. Tu mets la vaisselle dedans et ça la lave. Oh. Donc, en fait, quand tu manges, le principe, c'est de déposer ton assiette dans le lave-vaisselle. Ah, moi, je la laisse toujours là où c'est? Voilà, je sais. Ah, d'accord. Donc, ce que je t'invite à faire, mon Inou, c'est de prendre possession de cette pièce et de venir t'y investir plus souvent. D'accord. Hein? Ok. Voilà, je te laisse. D'accord. Et je fais quoi là, du coup? Alors, zester le citron. Pas de problème. Après, faire cuire au bain-marie. Qui c'est Marie? Et elle peut prendre la douche comme tout le monde, celle-là, non? Non? Madame prend un bain? Bah oui, forcément. C'est quoi la Ninou? Eh ben, je fais la vaisselle. Non, mais en fait, faut que tu les laves avant de les mettre dans la vaisselle. Ça sert à quoi d'avoir un lave-vaisselle alors? Fais-le, sinon après il y aura plein de marques, c'est dégueulasse. Mais c'est quand même complètement con de laver avant de mettre dans la vaisselle. Fais-le en fait. T'as pas frotté la casserole là? Eh ben si, comment je peux enlever au fond sinon? Faut pas la frotter la casserole, sinon après quand tu la mets sur la plaque, ça chauffe plus. Oh là! Non, il fallait me dire qu'il fallait bac plus 6 aussi pour faire la vaisselle. Allez. Et oublie pas de mettre la pastille aussi dans le... Alors ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il dit maman lui? Abricoter la pâte. Qu'est-ce qu'il me dit ce con là? Pas d'abricot moi? Attends, en plus c'est un fraisier putain. Attends. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Torréfier les... Putain mais c'est pas possible, il est en français ce livre ou je comprends pas? Je comprends pas, y a pas un mot que je comprends là. Ninou, petit repas du soir. Alors nous avons ce soir un lit de penne al dente, parsemé et accompagné de ces truffes millésimées extrêmement rares, attention, avec un petit accompagnement de tomates cerises confites. Je te souhaite une bonne dégustation. Ça a l'air bon, hein? J'ai mis du cœur, hein. Ça sent super bon, les truffes, là, ouais. C'est mignon. Non mais Ninou! Quoi? Mais tu fais quoi? Du ketchup sur mes truffes millésimées? Ah mais ouais. T'es sérieux ou quoi? C'est extrêmement rare, tout le monde se bat pour en manger. Toi, tu en repas comme ouais, ça, t'as du raison. Ketchup. Si. J'ai passé 4 heures en cuisine. Non mais Ninou! Non mais non! Mais non! Pourquoi? Mais c'est des... Vas-y, c'est bon. Je vais me régaler, Ninou, merci. Hein. On la sent un peu moins, la truffe. Mais c'est bon, hein? Oh là là, le Ninou en cuisine, dis donc. Attends, puis t'as pris mon livre de Christophe Felder. Tu mets la barre super haute, là. Non mais là, Ninou, easy. Je me balade. Si tu veux apparaître sur ma chaîne YouTube, faut que tu sois... Regarde. Sinon, pas de vidéo en fait. Là, tu vas être impressionné, hein. Mon Ninou. Oh, mon Ninou. Mais c'est tout mignon. Ce soir, je m'occupe de tout. Ah bon? Oui, madame. Alors, ouais. Ah oui, ça. Ninou, les couteaux à dents, tu sais où c'est? Dans le premier tiroir, là, sous les plaques, mon cœur. Oui. Ah oui, voilà. Bon. Ok. Ok. Alors oui, ça c'est avec... Ah oui, ça je sais où c'est. Ah non. Ninou, tu sais la râpe à légumes, tu sais où c'est? Devant toi, bébé, dans le même tiroir, toujours. Oui, d'accord, c'est ça? Non, bébé, c'est un économe, ça. La râpe, là, juste là, devant toi. Ah oui, voilà. Marche pas top, hein. Tu sais où ils sont, les torchons? Derrière toi, à gauche. Ah ouais. Ok. Ninou, comment on met le mode grill? C'est pas tactile, l'écran, là, tu vois? Je pensais que c'était tactile, allez, moi. Allez. Quoi? Allez, vas-y. Va t'asseoir. Allez. Ouais, t'as qu'à juste me dire comment ça marche, hein. Incroyable. Et puis je l'ai bien fin, les... Faire, la musique... Oui... T'as mon chat? Oui, mon chat, et toi? Oula! Les gosses sont punis. Non, non, pas du tout, ils sont trop sages.
Ah bon? Moi, adorable. Et pourquoi tu fais ce plat? C'est très bien que personne l'aime. Ils ont pas été sages, non? Non, non, ils sont très sages. Ils ont pas rangé leur chambre. Non, parce que j'avais pris McDo. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas donner McDo aux enfants. Et toi, bah, vu que t'es puni, bah, tu vas manger le plat dégueulasse de maman. Hein? Mais j'aime vraiment pas. Les enfants, il y a McDo! Va mettre la table, s'il te plaît. Pardonnez, madame. Et voici le parfait. Gâteau monté en étage façon millefeuille, généreusement garni de son cacao 12 ans d'âge, saupoudré de son glaçage exquis. Bonne dégustation, madame. C'est un napolitain. Non, c'est un parfait, madame. Tu l'as acheté? Absolument pas. Oui. Absolument pas. Oui, il y a la boîte, bébé. Oui, ben ça va, c'est bon, je comprends rien, ce putain de livre, là. C'est même pas écrit en français. Il demande de mettre des abricots dans un fraisier, je comprends rien. Voilà. C'est bon. Ah non, mais ça c'est clair, mais maman, mais je te l'ai déjà dit plein de fois, faut pas que tu prêtes attention. Mais oui, c'est toujours comme ça. Même quand tu cuisines, t'es au calme, toi. Ça, c'est incroyable. Lâche-la, ouais. Ta mère, un peu. Non, mais maman, mais tu te prends tout. Ninou, oui. T'as pas vu mon tel? Ton tel? Je le trouve. Regarde pas. Regarde en bas. Je suis sûr que je l'ai oublié au stade. Bébé, je te préviens, je t'en rachète pas un autre, hein. Putain. Maman. Ninou. On va cuisiner en amoureux, c'est trop cool. Viens m'aider comme ça. Ouais. Parce que là, il y a du boulot. Hein. Qu'est-ce que je fais? Alors, si tu peux commencer par peler les patates. Ouais. S'il te plaît. Tu les appelles les trois comme ça. Ah, les trois? Non. J'adore faire ça. Voilà. Les petits trucs dans la pâte. C'est bon? Est-ce que tu peux, du coup. Ben non, mais nettoie quand même ton plan de travail là. C'est un peu. Ouais. C'est joli les petits trous comme ça. Ouais, c'est. Ça sert à rien. Ah bah tiens, c'est parfait. Parce que tu sais, en fait, je suis maquillée. Ouais. Et à chaque fois que je coupe les oignons, je pleure pendant 2 heures, ça me fatigue. Donc, si, juste, tu peux me peler l'oignon et le couper en petits morceaux. Ah oui, voilà, comme ça, c'est très bien mon champ. Ouais. Pourquoi tu me fais faire tous les trucs que t'aimes pas faire, en fait? Bah, pourquoi je te ferais faire ce que j'aime faire? Ouais. Eh bah, c'est con. Ah ouais. Ça me fait plaisir de t'aider, en tout cas. Ouais. J'ai fini. Regarde. Ah ouais, c'est une belle présentation. T'as vu, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Regarde, mes petits copeaux par-dessus, là. Et t'as fait ça tout seul? J'ai tout donné, hein. Je me suis battu une heure et demie, là. Ah, on est où je suis? Non, mais je sais pas, parce qu'on dirait que vous étiez 10 000 dans la cuisine. C'est un peu carnage, non? Ça? C'est rien, ça. Ça, dans 10 minutes, fini, là. Je me sens pas bien. Je prends, je range tout, là. Je vais manger, je te laisse ouais. Manger. Bon app, mon chat. Je te rejoins, hein. Je range un peu tout ça, là, et j'arrive. Ok? J'arrive. Alors. Bordel, quand même. Alors là, Ninou, maintenant, je vais te montrer mon endroit. Attention, t'es prête? Oh, c'est trop classe! On est bien? Oh, mais c'est beau et c'est confortable! Et ouais. Mais du coup, tu fais comment te nourrir ici? Pas de problème. Oui, bonjour, il me faudrait 2 pizzas végétariennes, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est moi. Merci, à tout de suite. 10 minutes, plus qu'à attendre. Oh, mais c'est tellement mieux que la cuisine. Et on se met une petite série. Mais je comprends maintenant pourquoi t'es tout le temps ici. Ouais. Mais t'es malin. Je me demandais tout le temps pourquoi vous étiez tout le temps ici, tous les deux. Je comprends. Le paradis. Mince, Nana, j'ai pas commandé pour toi. Pizza croquette végétarienne. Mince, je rappelle. C'est bon? Oui, oui. C'est bon? C'est bon? Non. Ah, tu vois? C'est bon? C'est bon? Oh bébé, putain! C'est bon? Millésimé! Millésimé! Oh putain, ah, dis-le! Millésimé! Millésimé! Et parsemé de ces truffes millémisées! Je le savais, hein! Millésimé, putain! Accompagné! Parsemé! Je rigolais déjà parce que je savais qu'elle n'arriverait pas! Millésimé! Oh merde! Accompagné et parsemé de ces truffes millésimées? Extrêmement! Je suis désolé, je voudrais que trop t'allais. Je sais le dire. Mais ok, je suis désolé. Ninou. Alors. Al dente, parsemé de ces truffes millésimées. Al dente, parsemé de ces truffes millésimées. C'est ça? Mais oui. Pas possible, putain. Ninou. Je vais. Pardon. Oh là là. Alors.
Zester le citron. Pas de problème. Ok. Tu m'as dit de chanter, Nino, putain. Allez. Et je réponds quoi? Je me suis peut-être mis trop pris en fait. Hein? Putain, je m'en suis mis dans les yeux et tout, carrément. Putain. Bah oui, je suis con. Et toi, en plus, en plus. Ah, ça me brûle. Non, merci, mon chat. Bah, j'ai voulu te faire un bisou, mais t'es parti. Ah! Ah! Ah!